The MENA Talks, a podcast series by the BIC on the Middle East and North Africa. Once a month, our hosts, along with special guests, will explore underlying historical, economic, social, and political drivers behind today's systemic issues in the MENA region. The BIC is present on Facebook, YouTube, and Twitter. Follow us and subscribe to receive our latest news and publications. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de MENA Talks, donc conversation autour de la région MENA. Je suis Yasmine Akrimi, analyste de recherche sur l'Afrique du Nord, et j'accueille aujourd'hui Saadia Mosbeh, figure de l'antiracisme en Tunisie et fondatrice de l'association NEMTI, qu'on pourrait donc traduire par « Mon rêve ». Saadia, avant tout, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est une conversation que j'ai voulu avoir avec toi depuis très très longtemps, donc je suis très contente que tu sois avec moi aujourd'hui, d'avoir cette conversation. Tout d'abord, comment vas-tu ? Très bien, merci Yasmine, merci pour l'invitation, merci pour ce petit bout de conversation qui, je suis certaine, nous emmènera vers les côtés positifs de la chose en fait. Espérons vraiment, parce qu'on en a vraiment besoin, surtout en ce moment. Alors, on va parler de racisme aujourd'hui, en Tunisie, au Maghreb, mais en Tunisie surtout. On va parler de féminisme, on va parler d'intersection entre genre et race. Je voudrais commencer par une petite question un peu, une première question un peu générale. Donc, le racisme ou la négrophobie en Tunisie, comment est-ce que toi, tu te l'expliques au juste? Est-ce que tu la lis au passé esclavagiste du Maghreb? Est-ce que tu la lis au colonialisme et donc à la hiérarchisation des races? Ou est-ce que, par exemple, tu la lis plus à la présence aujourd'hui de plus en plus visible et donc visibilisée surtout des migrants subsahariens en Tunisie? Ou est-ce que c'est un peu un tout? Oui, c'est un petit peu un tout, hein. Mais je pense que le gros lot revient à l'histoire, revient à cette histoire mal racontée peut-être, et peut-être même pas du tout en Tunisie, hein. L'histoire de l'esclavage en Tunisie a fait qu'il y a beaucoup de petits problèmes qui surgissent comme ça au fil du temps. Pour le Tunisien lambda, les Noirs ne sont pas des autochtones, viennent de l'esclavage, ils viennent de l'Afrique. D'ailleurs, le mot est très gentil. Bonjour, tu viens de l'Afrique? Oui, je viens de l'Afrique. Si vous vivez sur un autre continent, ok, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un petit peu tout ça. Hein, c'est un petit peu tout ça. L'invisibilité est aussi due à l'histoire parce qu'on ne voit pas un esclave. L'esclave est toujours là pour servir et c'est tout. C'est-à-dire, on le voit juste pour servir ou pour des petites choses comme ça. Et c'est resté, d'ailleurs, de toutes les façons, depuis la Tunisie est l'un des premiers pays à avoir aboli l'esclavage en 1846. Mais l'attitude est la même. Je veux dire, depuis l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a eu de changé, en fait? Le terme est changé parce qu'il n'y a plus d'esclavage, mais il y a une résistance et la manière de faire et de vivre avec ces gens non blancs reste toujours la même. Mm-hmm. Reste toujours la même. Ça veut dire, si on prend au niveau du travail, ce sera toujours le serviteur de quelqu'un, de X ou de Y. Si on prend d'un autre côté sur les actes de naissance de certains de nos compatriotes, on trouvera toujours le article 2, c'est-à-dire affranchi par. Et il y a eu un tollé quand en octobre 2020, justement, la première fois où un ancien atik peut enlever justement de son extrait de naissance le mot atik et garde simplement son nom. Donc, c'est un petit peu tout ça. Et là, il n'y a pas de volonté de changer. La question raciale et la question noire en Tunisie restent toujours dans le déni, malgré la loi, malgré l'abolition de l'esclavage, malgré ceci, malgré cela. Mais ce qui est un petit peu embêtant et gênant, c'est que nous assistons aujourd'hui au nouvel esclavage.
Nous avons l'instance de lutte contre la traite des personnes qui nous a donné un chiffre alarmant l'année dernière. Il n'y a pas eu de chiffre cette année, c'est-à-dire il n'y a pas eu de conférence en présentiel cette année, mais le dernier chiffre était de 1313 personnes qui sont venues dans les normes, je dirais, parce qu'elle a des normes aussi, la traite, de la traite des êtres humains en Tunisie. Voilà. Donc c'est un petit peu tout ça, c'est le passé, c'est le présent, ouais. J'espère que ce ne sera pas l'avenir. J'espère aussi. Justement, l'abolition de l'esclavage s'est faite à travers une loi, et on a tendance en Tunisie et partout dans le monde à vouloir tout régler à travers des lois. On juridicise les questions sociales, et en fait ça ne nous empêche pas, mais ça nous permet de ne pas en fait initier de véritables réformes. Après, c'est-à-dire qu'on a enlevé, par exemple, l'esclavage, mais on n'a rien fait pour l'émancipation économique et l'autonomisation économique des Noirs, qui étaient pour beaucoup issus de l'esclavage, mais pas que, hein. Justement, c'est une idée très commune que tous les Noirs viennent de l'esclavage, mais ça n'est pas vrai. Mais même si, hein, c'est pas du tout ça la question. Donc en fait, on n'a rien fait pour justement que c'est les Noirs tunisiens aient un véritable pouvoir économique, qui au final, c'est ça qui mènera qui aurait pu mener en tout cas à leur véritable émancipation. Qu'est-ce que tu penses? Et donc je fais référence, par exemple, à la loi de 2018 contre les discriminations raciales et de cette tendance généralisée à gérer les problèmes sociaux et donc vouloir remédier à un problème aussi systémique et profond que le racisme à travers des lois. Qu'est-ce que tu penses de cette tendance ? C'est une tendance qui existe, mais aussi les lois sont là et elles doivent exister aussi. Hein. On sait que les lois, c'est pour gérer un conflit. C'est pour gérer un conflit. Or, que pour gérer un conflit sociétal, il faut un peu plus qu'une loi. Je voulais revenir sur une chose. On a parlé de l'esclavage. Si la première abolition en Tunisie a eu lieu en 1846, la deuxième a eu lieu en 1890. C'est-à-dire, de 1846 à 1890, il n'y a rien eu, en fait. Les gens ont continué à vendre, à acheter, et ainsi de suite. Et on a compris que l'esclavage a la peau dure chez nous. Maintenant, la deuxième réponse, c'est l'esclavage n'était pas uniquement noir, les esclaves n'étaient pas uniquement noirs. Et je fais référence à ces fameuses odalisques. Mm-hmm. Ces fameuses odalisques qui ont été, pour la plupart, la maman de nos beys en Tunisie. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, pourquoi, justement, l'esclavage à deux niveaux. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on rencontre par exemple des attigues blancs et des attigues de noirs? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on a choisi justement de blanchir encore, je veux dire, le blanc en lui enlevant le attigue 2, on ne saura jamais il a été esclave de qui. Et que de l'autre côté, le noir reste toujours à attigue de n'oubliez pas, ça a été l'esclave de telle ou telle famille ou de telle ou telle personne. Ouais. Donc maintenant, par rapport à la loi de 2018, il a fallu cette loi, mais pas que la loi. Il fallait d'abord une volonté politique justement pour avant la loi, il fallait éduquer un minimum pour dire voilà, il va y avoir une loi, mais c'est parce qu'il y a un problème. Comment gérer et régler ce problème? Ça n'a pas été fait. Dans cette loi aussi, il était prévu qu'il y ait une commission qui soit là pour mettre des règles, justement, à comment réagir, comment agir, comment éduquer, comment éradiquer ce problème. Oui. Encore. Elle n'a jamais été. Presque 3 ans, elle n'a jamais vu le jour. Donc, c'est ça qui inquiète un petit peu. Les lois, on n'a jamais changé une société par décret. Sans ça, la société aurait changé depuis 1846. Hein. Mmh. Donc, il y a un travail qui n'a pas été fait. Il y a un maillon de la chaîne qui n'est pas là, qui a ouais. complètement disparu et qui a laissé les uns et les autres, chacun dans sa rive, chacun dans son petit ghetto. Et voilà. Oui, concernant je voudrais revenir sur les esclaves blancs et les esclaves noirs. Donc j'ai toujours su que il y a eu des esclaves blancs et des esclaves noirs, mais en lisant la
la thèse de Inès Mraddeli, je me suis rendu compte en fait que les mêmes tâches n'étaient pas données aux esclaves blancs et aux esclaves noirs, c'est-à-dire que les esclaves blancs avaient beaucoup plus de chances d'une mobilité sociale parce qu'ils étaient blancs justement, et que les tâches les plus dures étaient données aux noirs. Exactement. Oui, et oui. Ça a persisté, hein, ça persiste aujourd'hui quand on... Ça persiste aujourd'hui. Quand on revoit le paysage un petit peu social de la Tunisie, on voit que certains ont pris l'ascenseur, les autres n'ont pas eu le temps de prendre même l'escalier. Exactement. L'escalier, c'est l'éducation. Au temps de Bourguiba, où l'éducation était pour tout le monde, où l'éducation était gratuite, les Tunisiens noirs n'ont pas tous eu accès à ça. Non, ouais. Ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais c'est parce qu'ils ne pouvaient pas. C'est vrai que qu'il fallait donner un minimum, c'est-à-dire l'égalité des conditions. Ici, un enfant pour aller à l'école, je vais prendre l'exemple de Tunis parce que j'y suis, peut prendre le bus, peut prendre aujourd'hui le métro, peut aller à pied, alors que justement dans le sud, il est très très difficile pour un enfant d'aller à l'école, il faut qu'il fasse dans les 20-25 kilomètres, parfois plus. Les conditions n'étaient pas les mêmes pour les deux. On n'a pas fait ça, on n'a pas fait attention justement à cette égalité des conditions qui pouvait mettre tout le monde sur le même plan et leur permettre d'avancer. Aujourd'hui, on en voit les résultats, le nombre de médecins, le nombre de pharmaciens, le nombre d'universitaires, le nombre de professeurs, et on est tous à 0, quelque chose en pourcentage. Exactement. C'est pour ça que moi, je qualifie ça de racisme systémique qui, s'il n'était pas voulu activement, a été en tout cas le résultat d'une nonchalance, c'est-à-dire qu'il aurait fallu de véritables mesures de discrimination positive parce que et on ne peut pas parler d'égalité, en tout cas moi je pense, tu me diras ce que toi tu en penses, on ne peut pas parler d'égalité quand au départ on part avec des conditions très 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 inégalitaires entre les régions, mais aussi de couleur. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais au niveau en tout cas de la fonction publique, il y a un plafond de verre qui ne permet pas aux Noirs d'être dans de véritables positions de pouvoir. Ça, il aurait fallu en tout cas une véritable volonté politique pour changer ça. Il n'y en a pas eu. Je ne sais pas ce que toi, tu penses de ça. Il n'y a pas. Il n'y en a pas eu. Il n'y a pas encore de volonté politique pour que ça change. Il est tout à fait normal que quand vous avez 0,01% d'une frange de la population instruite, vous n'allez pas avoir 10% quelque part. C'est clair. Maintenant, est-ce qu'on sait combien on est ? Est-ce qu'on sait combien il y a de Noirs en Tunisie ? Par contre, on sait combien il y a de chrétiens, combien il y a de juifs, combien il y a de Bahaï aussi, même si on leur refuse le statut de religion, de groupe à part, mais on sait combien ils sont, on sait qui ils sont. Là, on ne sait pas du tout, soi-disant, parce que c'est sans discrimination. Ouais. Alors maintenant, il ne faut pas quand même nous prendre pour des enfants de cœur. Non. Non, non, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de volonté politique à parler de ce problème d'une manière sérieuse. D'une manière sérieuse. Et malheureusement, on n'arrive pas à toucher les politiques parce que ce n'est pas le moment. Il y a d'autres priorités. Aujourd'hui, hier, il y avait la priorité économique. Aujourd'hui, il y a une priorité sanitaire au niveau du Covid. Vous savez, je lis un petit peu ce qui se passe un petit peu sur les pages. Un jour, en parlant avec les députés, on a demandé quand même, pour cette pandémie, il y a maintenant les vaccins, on leur a demandé de prévoir aussi de vacciner les migrants qui sont en situation régulière ou irrégulière, parce qu'ils font partie du tissu social, qu'on le veuille ou pas. Et c'est eux qui travaillent dans nos cafés, c'est eux qui nous reçoivent dans les hôtels, c'est eux qui travaillent aujourd'hui même dans les municipalités. On a vu quelque chose de terrible, la municipalité de la Marsa, comment elle transportait les subsahariens pour aller travailler. C'est un d'ébène. Je t'enverrai tout à l'heure un petit peu même la photo, c'est quand même horrible. Mais est-ce que ces gens-là, avec qui on compose et on vit tous les jours, n'ont pas le droit d'être vaccinés ? Vous me direz, après les Tunisiens, je peux dire avec la larme à l'œil, d'accord.
mais que vous dites non, pourquoi ils veulent faire vacciner les migrants, mais vous voulez en faire quoi? Ouais. Soit vous fermez vos frontières et vous dites on n'accepte pas, mais on ne les accepte pas pour reconstruire une Tunisie. Vous savez, il y a un côté qui est complètement reconstruit par les migrants. Bah, aujourd'hui, vous les trouvez sur tous les chantiers, dans tous les hôtels et dans tous les lounges chics et ainsi de suite. Il n'y a que, c'est vrai, qu'ils sont là pour essuyer le parterre, les toilettes et ainsi de suite, mais ils sont là. Parce que nos enfants ne veulent pas faire ce travail-là. Exactement ça. Même dans une vision comme ça, très utilitariste de la chose, si on ne voulait que considérer la chose à travers une question de l'utilité de la présence des migrants subsahariens, moi, je n'y pense pas comme ça. Mais même comme ça, ce serait très hypocrite de penser qu'on puisse fermer nos frontières et nous passer de cette main-d'œuvre-là, parce qu'en fait, elle donne beaucoup plus qu'elle ne reçoit. Donc, ce n'est pas une faveur que les migrants subsahariens demanderaient d'être vaccinés ou d'être intégrés au tissu social réellement. Ce n'est pas une faveur, c'est un droit parce qu'ils sont ici et qu'ils contribuent énormément économique. Mais demain, justement, si on ne les vaccine pas, est-ce que ça ne va pas être un foyer, justement? Bien sûr, bien sûr. Problème. Oui. Si on pensait d'une manière logique, hein, peu importe le migrant, il peut être du sud du Sahara ou d'ailleurs, mais est-ce que ces personnes-là qui vivent avec nous ne seront pas demain un danger pour nous? Bien sûr. Idem quand vous laissez une population de 5000 ou 3000 personnes vivre en autarcie totale pendant des centaines d'années. Est-ce qu'on a pensé aux problèmes de santé de demain, la consanguinité, une année, deux ans, 10 ans, 20 ans, 100 ans, 102 ans, quel type de maladie allons-nous rencontrer demain? Même d'une vision très pragmatique comme ça, ça ne... Sardia, je vais bifurquer sur la question du genre et du féminisme, qui est aussi un grand axe du podcast d'aujourd'hui. Donc, tu es femme et tu es noire. Quand est-ce que as-tu pris conscience de cette double condition et comment est-ce que tu as concilié ça, si jamais tu l'as fait, avec justement la femme tunisienne, donc le culte de la femme tunisienne et donc le mythe de la femme tunisienne, j'ai envie de dire, post-indépendance, surtout que toi, tu as travaillé dans un poste à haute visibilité, donc tu étais hôtesse de l'air chez Tunisair, et donc avec tous les, surtout de l'époque, hein, tous les requis de féminité et d'une certaine idée de la femme qui travaille, qui est féminine, qui doit se comporter, se conformer à certaines manières d'être la femme idéale en Tunisie. Voilà. Le féminisme en Tunisie, en deux mots, il n'est pas inclusif. Il n'est pas inclusif parce que être femme et noire, ce n'est pas être femme et tunisienne tout simplement non noire. Ce n'est pas la même chose. Nous avons vu les premières associations de femmes tunisiennes, je n'en citerai aucune, mais on les connaît bien. Ce qu'on a appelé pendant la révolution Hayr Tunis, dit-on, vous descendrez directement de l'Europe. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et ce qui a non seulement obligé, non, ce n'est pas une obligation, mais il y a eu un groupe justement de femmes noires aujourd'hui qui se détachent carrément du mot et qui disent voilà, le féminisme noir tunisien. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose, l'avenir nous le dira, parce qu'il y a une scission, parce qu'on n'est pas la femme tunisienne tout court, mais on est la femme tunisienne blanche ou noire. C'est la seule chose qui me gêne dans cette histoire. Mais il est tout à fait normal, que, n'étant pas inclus dans les foyers de femmes tunisiennes tout court, on est obligé de dire bah, écoute, moi aussi j'existe, et avec force. Quand je dis avec force, c'est-à-dire... ce n'est pas le même nombre en général quand il y a une association ou quand il y a un mouvement, ça commence toujours petit. Là, ça a commencé très grand et très en nombre, pas mal. Hein. C'est vrai, c'est hallucinant le nombre de femmes qui intègrent ce mouvement, disent un petit peu cette colère tue depuis longtemps
de la non-reconnaissance, justement, de la femme tunisienne à une autre femme tunisienne. Mmh. Quelle différence y a-t-il si on est des femmes tunisiennes réellement? Exactement. Le féminisme blanc, et même moi, quand je parle de la blanchité du féminisme tunisien, on me sort souvent l'idée de non, il y a des femmes. Il y a des femmes noires, il y a des femmes rurales, tout ça, mais je leur dis, c'est pas parce qu'il y en a qu'elles sont dans des positions de pouvoir ou qu'elles influent réellement sur les politiques du féminisme tunisien. C'est pas parce qu'il y a plusieurs thèmes au sein d'un mouvement qui est contrôlé par des femmes blanches en général, en tout cas pour l'ancien féminisme des femmes blanches bourgeoises, que vous êtes voilà, dans l'intersectionnalité. Justement, l'intersectionnalité, donc cette idée de d'aborder le différentes oppressions de manière enchevêtrée, c'est une idée très tendance aujourd'hui au sein du féminisme et qui est de plus en plus présente au sein des nouvelles vagues de féminisme post-2011, donc du féminisme beaucoup moins bourgeois déjà et beaucoup plus inclusif. Est-ce que toi, tu te dirais féministe intersectionnelle? Est-ce que tu te dirais féministe tout court déjà? Et qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que cette intersectionnalité-là est une bonne nouvelle pour les femmes noires tunisiennes? Bien. Alors, il y a des luttes, il y a des convergences de luttes, mais il y a un point de rencontre. Un point de rencontre, moi, je ne lui donne qu'un seul nom. C'est cette colère et c'est ce cumul qui va faire qu'on se rencontre quelque part, un jour, mais pas pour toujours. Parce que cette intersectionnalité, justement, quand chacun arrive d'une avenue ou d'une rue, il y a un point de rencontre pour un temps déterminé. Mm-hmm. Sinon, chacun va perdre des plumes en mm-hmm. suivant l'autre. Donc, que chacun continue sa lutte vers son objectif, qui n'est pas nécessairement l'objectif de l'autre, mais ce point de rencontre où nous nous retrouvons parfois, je pense qu'il est quand même assez intéressant. Il est assez intéressant dans le sens où on se dit que ce n'est que temporaire. On n'est pas là pour la vie, pour être ensemble, parce que nous n'avons pas les mêmes objectifs. Parce que si réellement nous avions les mêmes objectifs, on n'aurait pas besoin d'utiliser justement ce mot d'intersectionnalité. Mm-hmm. Parce que nos objectifs sont clairs, on est tous ensemble contre quelque chose, contre le pouvoir, contre le racisme, contre l'exclusion, ainsi de suite. Mais là, non. Vous allez trouver que le mouvement LGBT, il va tout seul, les femmes noires toutes seules, les défenseurs des droits de l'homme tout seuls. Alors, ils sont à deux, ils ont deux couleurs, les noirs d'un côté, les blancs de l'autre. Donc, ce mot d'intersectionnalité, non, il ne me gêne pas, parce qu'il y a un nouveau mot, il y a un nouveau mouvement, mais je trouve qu'il doit quand même avoir des règles. Les intérêts communs ne sont pas toujours, ne restent pas sur toute la ligne commune. Et il est intéressant de voir ce point de rencontre en amont, en aval. On sait qu'il y a l'oppression, qu'il y a l'injustice, et c'est ça qui fait qu'on se rencontre. Pour l'intersectionnalité, pour moi, c'est ça. Mais être femme, noire, je viens du Sud aussi, attention, il y a encore un autre problème. Oui. Pour revenir tout à l'heure, vous avez dit que les femmes disent dans leur mouvement, il y a des noirs. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de noirs à Gbelli, par exemple, où plus de 80% de la population est noire? Bien sûr, ouais. Ouais. Je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé autre chose. Oui, oui, c'est exactement ça, oui. Ouais. C'est ça, quand on ne le trouve pas, bah c'est bien. Et puis, c'est pour l'image aussi, c'est pas mauvais du tout. Oui. Pour l'image, c'est pas mauvais du tout. Pourquoi on nous invite uniquement quand il y a quelque chose dans la rue, quand il y a un mouvement dans la rue? On voilà. nous invite pour soutenir, mais on nous invite aussi pour l'image, ça je le sais. Bien sûr, mais jamais, je suppose, pour les grosses décisions, j'ai envie de dire. Ouais. Exactement, pour dire qu'on est pluriel, mais il faut le penser, il faut le vivre, il faut vivre cette pluralité. Ce n'est pas en montrant une image de X embrassant Y ou bien tenant la main d'Y. Moi, j'aime bien les gens qui veulent tenir ma main devant le photographe, qui la relâchent juste après. C'est quand même drôle.
Et il faut vouloir se défaire un peu de ses privilèges, et ça, c'est très, très dur, surtout pour ça. Bien sûr. Ça, c'est quasi impossible. Et d'ailleurs, quand on parle de privilèges, beaucoup vont être dans le déni. Hein. Non, je n'ai pas de privilèges. Moi, je suis une femme qui a par exemple, travaillé dur pour être ici. Personne ne te dit le contraire, mais il faut voir les conditions qui ont permis que tu sois toi là et pas une autre personne, par exemple. Absolument. Absolument, absolument. Donc, ce concept ou ce nouveau concept ou cette vague ou ce nouveau mot d'intersectionnalité, je crois que nous le vivons un petit peu tous les jours dans notre quotidien. Maintenant, pourquoi ce nouveau concept? On le saura certainement demain. Vous savez, quand c'est frais, on ne sait pas toujours. C'est un concept qui est né donc par une féministe afro-américaine. Hein. J'ai oublié son nom, donc je travaille énormément sur elle. Mais c'est justement, donc c'est une avocate, elle, et elle voulait trouver un terme pour montrer comment les questions de race n'étaient jamais prises en compte quand elle défendait des femmes noires aux États-Unis devant les tribunaux, et quand il y avait un problème de sexisme, on ne prenait jamais en compte le racisme, ou vice-versa, et donc les intérêts des femmes noires n'allaient ni avec les hommes noirs, c'était pas purement de l'antiracisme, et n'allaient pas avec les femmes blanches, c'était pas purement justement du féminisme dans le sens classique, et donc c'est les deux, et les intérêts des femmes noires leur étaient propres, parce qu'elles, justement, elles expérimentent une double peine, on va dire ça comme ça. Et... Oui, oui, oui. Donc, qu'est-ce qui fait que ce terme revienne aujourd'hui et qu'est-ce qui fait que le concept, justement, revient aujourd'hui? Moi, je pense qu'aussi aux États-Unis, il y a eu justement ce mouvement LGBT où on a exclu les Noirs et les femmes noires. Oui. Et ensuite, il y a eu le mouvement LGBTQ, plus, qui a fait que toutes ces femmes, se rencontrent pour trouver quelque chose. Mais pourquoi aujourd'hui? Je ne sais pas, il ne date pas d'hier, le mouvement aux États-Unis. Il ne date pas d'hier. Il a voyagé peut-être, hein. Il a voyagé, il est arrivé en Europe. Il a maigri, il a mis du temps là. Il a mis beaucoup de temps, c'est vrai. Il a mis du temps pour arriver. Une autre question, peut-être la dernière, sur la représentativité dans les médias, dans les productions culturelles des femmes noires, très précisément, parce que j'ai une question sur cet axe précis. Ce que j'ai remarqué, moi, c'est qu'évidemment, il y a une volonté, très, très clichée et très classique, hein, de représenter plus de femmes noires, par exemple à la télé, dans les séries. Ce que j'ai remarqué, moi, tu me diras si tu es d'accord, c'est que ce sont souvent des femmes noires claires de peau. Et donc, la question du colorisme y arrive. Je n'ai jamais vu de femmes noires qui te ressemblent, toi, dans des productions télévisuelles. Ou alors, je me trompe, hein, mais en tout cas, j'ai l'impression que... Attention, il y a eu Afef Haji qui, justement, a fait ce fameux feuilleton. Afef Haji n'était pas la servante de la maison, n'était au contraire, c'était elle, la maîtresse de maison, qui s'est mariée. Mais il n'y a eu que ça, en fait. Que ça, hein. Aujourd'hui, je sens qu'il y a une tendance au changement, très discrète, mais elle se fait. Nous avons vu que Jnoul Qaila, par exemple, Jnoul Qaila et Imen Badarja a été représenté par Emine comme étant une personne faisant partie de la famille. Mm-hmm. C'est pour ça que je dis, c'est très, le sujet est traité d'une manière très subtile. On dirait qu'on est en train de faire attention justement pour ne pas choquer, ceux qui regardent. Ils sont pas choqués quand ils parlent de drogue ou quand ils parlent de meurtre ou ainsi de suite dans les feuilletons télévisés de Ramadan, mais ils seraient choqués de voir une femme noire, comme tu dis, pas moyennement colorée, carrément colorée, en étant l'actrice principale ou la maîtresse de la maison. Ceci dit, on a eu aussi dernièrement, Kenya McKaynish, on a vu l'apparition de deux noirs, en fait. Hein.
On a eu Zouedi et Sabri Mosfer, même si les apparitions sont brèves. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un niveau de conscience chez les jeunes producteurs, justement, qui fait que prendre un acteur noir ou une actrice noire, pas nécessairement dans une cuisine avec un tablier, et surtout ce foulard rouge pour qu'on la voie mieux. Ça a tendance un petit peu à disparaître, mais on y va très lentement, on y va très doucement. Oui, on y va, oui. Mais c'est vrai que c'est mieux, c'est vrai maintenant que tu le... En tout cas, j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux, on ne compare même pas avant la Révolution, mais en tout cas, les premières années après la Révolution, c'est beaucoup mieux quand on... Oui. Moi, j'ai trouvé que Jnoul Rai, là, traité par Amin Chibou, a été quelque chose de magnifique, parce que nous étions justement avec Imane Badarja pour cette fameuse loi 50, le jour où la loi devait être votée, et ces enfants qui, en passant, moi je passe toujours devant cette école parce que je vis au Bardo, m'ont toujours traité de aussi, enfin de je sais pas quoi, il a dire des mots qui m'embêtaient en fait, mais je me suis dit bon, je vais me battre contre des enfants, autant voir le directeur, et ainsi de suite, c'est tout, hein, ça n'a pas de sens. Le nombre d'enfants qui étaient venus courir pour prendre des autographes et se photographier avec Imane Badarja. Comment Amin Chibouba a changé la donne en même pas quelques mois, l'espace de 15 jours au mois de Ramadan. L'impact de ça, mais je regardais ça, mais c'est pas vrai, ce sont ces mêmes enfants qui, et oui, ce sont ces mêmes enfants de cette même école qui est juste en face de l'ERP du reste. C'est ça le changement. C'est ça le changement rapide. C'est important. Voilà, la représentativité positive. La représentativité est très importante. J'aimerais, au passage, trouver une poupée noire dans un supermarché. Moi, j'ai envie d'offrir à mon petit-fils ou à ma petite-fille un petit poupon ou une petite poupée noire, chose que je ne trouve pas, parce qu'ils les prennent vite, justement, pour chasser le mauvais œil. On met ça dans un coin de la maison, on met ça dans le trousseau du marié, on met ça... quand il n'y a qu'une poupée en plus, mais par contre, il faudrait réellement éduquer et le haut et le bas de la pyramide. Ça ne peut pas se passer d'un seul côté, c'est inutile. Il faut absolument trouver un moyen pour éduquer du bas au haut de la pyramide. C'est exactement ça, sur ces beaux mots, hein, je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. Merci à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Merci à toi, Sardi, encore une fois. Merci. Je ne dirai jamais assez. Je voudrais continuer cette conversation avec toi à l'infini. J'ai tellement de questions à te poser, ça m'intéresse. Bravo. Vraiment. Je pense qu'on se retrouvera pour le lancement du Vécu Noir et la sortie du livre du Vécu Noir. Parfait, sans doute. J'étais là pour le lancement du projet, oui. Et je t'inviterai avec beaucoup de plaisir justement pour voir comment nous avons finalisé justement ce Vécu Noir et ce livre qui probablement sortira dans une des dates les plus importantes du combat des Noirs, que ce soit en Tunisie ou ailleurs. Merci beaucoup, Sardia. Merci à toi. À très bientôt, à très bientôt à tous déjà pour un nouvel épisode et à très bientôt à toi. Merci beaucoup. Allez, à très vite. Merci encore, Yasmine. Thank you for listening to another episode of the MENA Talks. Share your thoughts with us on social media with the hashtag MENA Talks and follow us to receive our latest news and updates. The MENA Talks is a podcast series on the Middle East and North Africa, an initiative of the Brussels International Centre.